Après trois tentatives avortées pour élire un président de gouvernement, deux groupes du Congrès proposent aujourd'hui de nouvelles pistes pour sortir de la crise gouvernementale. D'un côté, le RUMP qui en appelle à l'État pour l'organisation d'un comité des signataires extraordinaires, et de l'autre, l'UC qui appelle à l'unité calédonienne de tous les élus du Congrès, Brigitte Wap et Nicolas Fasquel. Le principe de la collégialité doit être respecté. Pour le Rassemblement UMP, c'est la seule façon de sortir de la crise gouvernementale. Pierre Frogier veut que l'État joue pleinement son rôle de partenaire de l'accord de Nouméa. Et dans un courrier qu'il adresse au Premier ministre Manuel Valls, il propose l'organisation d'un comité des signataires extraordinaires. Comme je l'indique dans ma lettre, il faut d'abord redéfinir la méthode de fonctionnement de ce gouvernement, le compromis, le consensus. Ensuite, essayer de définir un nouveau programme de gouvernement. Et puis, à l'issue, eh bien, trouver les bonnes personnes pour diriger ce gouvernement.